Bonjour et bienvenue sur Jarrecast, le premier podcast amateur dédié à Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album Oxygène. Oxygène est le premier album connu de Jean-Michel Jarre. Il a été enregistré entre août 76 et novembre 76, donc il est sorti fin 1976, début 77. C'est un album en fait qui a été vendu à 15 millions d'exemplaires environ dans le monde. C'est un des plus gros succès de l'histoire de la discographie française. Cet album a été enregistré tout simplement sur un simple 8 pistes dans sa cuisine, sur les instruments du style ARP 2600, AKS synthétiseur, EMS VCS3, le RMI, le Farfisa Organ, un Eminent, Mellotron et le fameux Mini Pops qui est la boîte à rythme caractéristique d'Oxygène. Alors Jean-Michel Jarre en fait il a eu beaucoup de difficultés à sortir cet album en fait du fait qu'il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas vraiment de réel single et pourtant le succès fut au rendez-vous principalement avec Oxygène 4. D'ailleurs sera repris, qui sera le générique de l'émission Basket sur Europe 1. Alors il y a eu de nombreuses reprises et remixes d'Oxygène, que ce soit de tout l'album d'Oxygène avec les Transremix. Ou d'Oxygène 4, par exemple en vocal Oxygène 4 ou alors par Hank Marvin. Single, il y a aussi eu Oxygène 2. En 1997, Jarre a sorti une sorte de suite, si on veut bien, ou plutôt de continuité d'Oxygène, qui s'appelait Oxygène 713. Ça sera sur un autre épisode de Jarrecast. En 2007, Jean-Michel Jarre a réenregistré Oxygène, avec les mêmes instruments, mais dans un studio plus moderne, évidemment. Il a inclus dedans des variations, comme par exemple Variation 3. Voilà à peu près ce que je peux dire sur Oxygène, qui est un album évidemment à écouter, comme tous les albums de Jean-Michel Jarre. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.